life. Bonjour, je m'appelle Valérie Zenati et je suis très heureuse d'être venue aujourd'hui à Bergerac, dans cette librairie douce, chaleureuse, joyeuse, pour parler de mon livre Jacob Jacob. La question qui se pose toujours quand j'écris, c'est qu'est-ce que la littérature peut pour tel sujet ? Voilà, je me pose la question. Qu'est-ce que la littérature peut ? Ce livre est un roman, est une fiction, où la matière première est bien sûr une histoire familiale, mais une histoire que je n'ai pas vécue, dont je ne peux pas faire le récit en disant « c'est ainsi que ça s'est passé ». Je peux en faire le récit en disant « c'est ainsi que moi, je peux l'écrire ». L'album de photos de famille qu'avait ma grand-mère, que j'adorais feuilleter. C'est un gros album avec une couverture en simili-cuir bordeaux, avec des tas de photos en noir et blanc, uniquement en noir et blanc. Et j'aimais le contempler parce que très très tôt, très jeune, j'étais vraiment habitée par une interrogation qui était mais comment le monde a-t-il pu exister avant ma naissance ? Et je trouvais ça très incongru. Dans l'album, il y avait Jacob, donc il y avait une photo de 4 soldats et eux me semblaient plus familiers parce qu'ils portaient l'uniforme français, ils étaient soldats français et il y a quelque chose qui les rapprochait de moi. Et là, elle me disait, voilà, lui c'est Jacob, le frère de ton grand-père. Et elle ajoutait, il chantait bien, il avait une belle voix et il est mort le pauvre en Alsace en 1945. Le personnage de Jacob s'est imposé parce qu'il avait dans son histoire ce croisement très fort entre l'Algérie et la France, puisqu'il est né en Algérie et finalement il a été le premier de sa famille à mourir en France et à découvrir la France. Avant-hier, ça a fait pile 70 ans que Jacob est mort en Alsace. Et donc, mais Rachel avant tout c'est une mère. Et on m'avait raconté, ma grand-mère m'avait dit qu'elle était partie à la recherche de Jacob. Alors après coup, j'ai su que ce n'était pas tout à fait dans les mêmes circonstances. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que le vrai Jacob est parti à l'armée sans que sa mère puisse lui dire au revoir, parce qu'elle était allée aider une de ses filles à accoucher. Et quand elle est rentrée, on lui a dit « Jacob est parti ». Si je dois parler du titre « Jacob, Jacob », à un moment donné, il s'est imposé quand j'ai su que je n'allais pas terminer avec sa mort. J'ai compris qu'il fallait qu'il y ait quelque chose après. Je ne pouvais plus entrer dans leur monde puisqu'il n'était plus là. Je les ai fait entrer dans le mien. Mon monde, c'est le monde des mots. Je sais qu'eux ne les avaient pas, avaient du mal à les trouver. Histoire de gens qui sont traversés par l'histoire, dont la vie est totalement traversée par l'histoire. L'histoire décide de la vie des uns, de la mort des autres, de où ils vont naître, où ils vont mourir, comment ils vont vivre. C'est l'histoire comme une grande main invisible qui se saisit d'eux. Et la sœur de Jacob a très, très bien réagi, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Elle a pris comme un roman, elle a compris. Elle était étonnée, elle aussi. Alors elle comprenait encore moins. Elle me dit, mais tu es née ici, tu n'as pas connu tout ça. Bon, je vais expliquer que c'était la littérature qui donnait cette envie. Et là, on est arrivé sous ce pont suspendu. Et on n'avait plus de mots, comme tout à l'heure, quand j'ai entendu la lecture. On est sorti du taxi, et puis on regardait. Et la seule chose qu'on pouvait se dire, c'est « Tu te rends compte, on est là. On est là. »
Une déesse, 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 une déesse. Ouais, quand je parlais du conditionnel tout à l'heure, je crois vraiment que c'est ce qui permet la littérature, c'est de se dire et si. Et si.